Salut tout le monde, Alex pour leschroniqueurs.com, c'est mon opinion. Puis aujourd'hui, on parle de pain. On parle de pain. Pas pain, pain. Pour résumer brièvement, parce que c'est sûr que c'est pas une vidéo qui va péter des scores aujourd'hui, on s'entend là. Mais peu importe, ça me tentait de faire une vidéo là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien vers un article du Journal de Montréal. C'est un monsieur, probablement que certains d'entre vous le connaissent, un monsieur qui s'appelle Léandre Bergeron. Un monsieur qui a été professeur, puis qui est un philosophe, un intellectuel, on peut le nommer comme ça. Ce monsieur-là a décidé à un moment donné de quitter la ville, de s'installer à Rouyn-Noranda et de faire son pain, de devenir boulanger. Donc le monsieur donne son pain en échange d'une contribution volontaire des clients. Le problème, c'est que, évidemment, le gouvernement s'en mêle et demande à M. Bergeron de fermer sa boulangerie et même qu'il menace de saisir sa production et de tout jeter aux poubelles parce que ça répond pas, pas que ça répond pas aux normes, c'est-à-dire que lui n'a pas les permis de la MAPAQ, etc. Des permis qui coûtent plusieurs centaines de dollars, là, presque des milliers de dollars, là, pour faire une petite production de pain artisanal, c'est un petit peu ridicule. Là où je comprends pas, c'est comment le ministère peut perdre son temps. On nous casse les oreilles depuis des années. En fait, depuis toujours, on vit dans un pays libre. C'est la démocratie ici au Canada. On est libre de faire ce qu'on veut, d'entreprendre. Nan, nan, nan. Sauf qu'à chaque fois qu'on veut péter à gauche ou péter à droite, ben, il faut qu'on ait un permis du ministère de ci ou de l'organisme de ça, ou de la municipalité, parce que faut payer. Quand on veut faire quelque chose au Canada, il faut qu'on paye. Tu veux conduire un char, faut que tu payes. Tu veux te partir une business, faut que tu payes. Tu as à peu près 832 000 formulaires à remplir pour te partir une production artisanale de pain. Je veux dire, à un moment donné, calvaire, là. On va-tu réaliser à un moment donné que l'économie locale, c'est important, puis ça va le devenir de plus en plus. Parce que de plus en plus, les gens réalisent que quand on achète local, premièrement, dans la grosse majorité des cas, ça coûte moins cher. On peut troquer avec les gens. Puis là, juste me faire bien comprendre, là, je suis pas un hippie, là, tu sais, je suis pas commune, loin de là, là, okay? Je m'appelle pas Jean Nuage, puis je fais l'élevage de sapins de Norvège dans ma cour, OK, là? Ben non, je fais du dressage de maringouins nordiques, là. Parce que c'est une espèce en voie de disparition. Non, non, non. Je suis loin d'être un hippie ou un écolo nazi, là. Pas du tout. Sauf que je suis un gars plutôt logique. Puis quand on regarde la logique des choses, ben de faire vivre des commerces ou des entrepreneurs locaux, c'est intelligent. C'est quelque chose qui participe à faire rouler l'économie locale plutôt que d'aller acheter dans des grandes surfaces, dans des magasins style Provigo, Metro, IGA, etc. Puis oui, il faut continuer à y aller parce que de toute façon, il y a des produits qu'on ne peut pas se procurer de façon locale. Donc c'est un peu à la base illogique là-dedans, puis c'est le manque de cohérence permanent du gouvernement québécois puis canadien aussi, là. Donc on a la MAPAQ. Le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation, qui demande à un homme qui produit du pain de façon artisanale dans sa cuisine. Puis en fait, c'est pas mal leur seul point en passant, hein, c'est que lui, il faudrait qu'il fasse ça dans une cuisine spécifiquement faite pour ça, là. Il peut pas faire ça dans sa cuisine chez eux. Parce que nous autres, toute la population au Québec fait cuire la nourriture dans leur cuisine. Pour nous-mêmes, c'est correct, mais si on le fait pour les autres, là, ça représente un danger pour la santé. Ça représente un danger pour la santé, pour ce qui est de la MAPAQ. Mais pour le gouvernement, par exemple, côté santé, on est plus large quand on parle de compagnies qui rapportent. Tu sais, le gouvernement continue à endosser des compagnies de tabac qui vendent un produit qu'on sait qui tue des milliers, des dizaines de milliers de personnes à chaque année. Mais ça rapporte. Ça rapporte des taxes.
ça rapporte dans l'économie parce que c'est des grosses compagnies qui valent des milliards de dollars. Ça, c'est correct. Mais un monsieur qui veut faire son pain chez lui, dans sa cuisine, ah mon Dieu! Des gens qui vont mourir de. Des gens qui vont mourir de maladies reliées au pain. Je sais pas si vous en connaissez, moi j'en connais pas. Peu importe. Mais je connais du monde, par exemple, qui sont morts des produits du tabac. Consommation de tabac, puis même fumée secondaire, des gens qui n'ont jamais fumé de leur vie puis qui sont décédés. Mais ça, c'est pas grave, ça rapporte. Fait que bravo encore, gouvernement du Québec, pour votre cohérence, puis d'aider des gens, des petits entrepreneurs artisanaux à distribuer leurs produits. Fait que c'était mon opinion. Abonnez-vous, souscrivez, likez, partagez. Ça fait toujours plaisir. Puis si vous avez des sujets que vous voulez me voir aborder ou des suggestions ou peu importe des questions, gênez-vous pas, mettez ça dans les commentaires. Je peux pas peut-être pas répondre à tout le monde, mais je les lis pas mal toutes. Fait que sur ce, on se revoit une prochaine fois. Salut!